Re les Sims.me, enfin bonjour les Sims.me et bienvenue dans ce nouveau let's play de Motherload. Et oui, comme je les enchaîne, je suis partie sur un re malencontreux, mais il s'agit bien du nouvel épisode 16 de notre let's play. Nous avons laissé notre petite famille au point où elle en était, avec une maman pleine d'ambition, question de jardinage. Et on va s'occuper de ça tout de suite. Ah, il y a mon chat qui a le diable au corps qui fait que des âneries. Je crois que j'en ai dans une soirée épique. Bah ouais, bah pleure, écoute, qu'est-ce que je te dis, je sais même pas où t'es. Il fait que des bêtises, je sais pas, il est hyper réveillé là, il est hyper nerveux. Donc bah voilà, on risque d'être interrompu encore. Alors qu'est-ce qu'elle a dans son sac? Oui, elle a des patates à Genève, c'est bien qu'il y en a des plantées. Alors attendez, parce que ça c'est des fleurs. Buisson fraisier. Plein de pommes de terre, ah oui, des pommes tartes on en avait, des champignons on en a, à la carotte on n'avait pas. On va prendre des carottes, on va les mettre au potager. Voilà, carottes. Ensuite, on a des marguerites. Bon, on va en prendre une, on va la mettre là. Ensuite, on a des épinards. On va mettre. Non, ça c'est une marguerite, monsieur là. Épinards. Épinards. Épinards, voilà. Épinards. On va le mettre ici. Ensuite, un bananier. Donc ça, on va le mettre plutôt par là. Un peu éloigné du reste, qu'il ait un peu d'espace. Du raisin, ça peut être sympa. On va le mettre ici. On va pas en planter deux, ça ne sert à rien. Après, le reste, on avait. On a. Alors attendez, hop, faut que je remette le raisin, voilà, ici. Et que j'aille récupérer. C'est quoi ça? Du persil. On va le mettre plutôt ici. De la salade, du basilic. Ça, c'est des choses dont le shérif va avoir besoin. Du basilic. Attendez, hop. Ça, c'est du basilic. Je l'ai mis. Ça, j'ai mis. J'ai mis. Bon, c'est tout. Bah, le reste, on devait déjà avoir. Bon, on va déjà planter tout ça. C'est déjà pas mal. Hop, planter. On va mettre lecture. Ça sert à rien de rester en pause. Hop, manger, planter. Elle plante pas. Elle fait quoi? Placée dans le monde. On s'en fiche. Voilà, hop. Planter. 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 Et planter. Et après, il faut qu'elle fasse un truc avec sa fille. Parce qu'elle est censée lire des histoires à son enfant, non? Discuter avec son enfant 10 fois. Elle a fait 2 fois. Donc, faut qu'elle aille discuter avec elle. Et ensuite, il faudra qu'elle lui raconte une histoire, je pense. Lire pour un enfant pendant 2 heures au total. Donc il faut qu'on aille lire à l'enfant ensuite. Dans quel état est l'enfant? La petite Julie. Julie, elle veut rencontrer 5 Sims. Pour l'instant, elle n'en a rencontré qu'un. Et elle va plutôt bien. Elle va pouvoir attendre maman. Ah, des voitures. Allez, mettre dans l'inventaire. Qu'est-ce qu'elle peut faire sur son lit? Faire la sieste, s'asseoir, s'asseoir. Allez, va t'asseoir. Le temps que maman finisse. Elle est tendue. Faire du jardinage, ça l'attend. Alors ça, c'est un peu le comble. Hein. Elle va venir. Ah là là, c'est long de... En plus, après, faut arroser le tout. Bah, elle va déjà lire à sa fille, discuter avec. Se plaindre de ses problèmes, non. Et évacuer le stress sur sa fille, bravo. Serrer dans ses bras, ouais. En tout cas, elle veut plus de choix amical. Demander, demander, discuter. Voilà. Donc on va être bonne. Et ensuite, la bibliothèque, elle est où? Est-ce que j'ai une bibliothèque? Oui, j'ai une bibliothèque. Hop. Acheter un livre, lire quelque chose. Oui, mais... À sa fille, quoi. Hop. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est absolument adorable. Ah, avouez, c'est absolument adorable. Absolument adorable. Oh, je suis à fond au taquet. Alors, comment elle peut lire un livre à sa fille? Lire. Mais j'ai pas l'option à la petite. L'amour en sandwich. J'ai pas de livre pour enfants. Problème de licorne. Tu peux ça lire à sa fille? C'est bizarre.
En tout cas, elles se sont fait des câlins, c'est pas mal. Non, elle lit pas à sa fille là. Raconter une histoire incroyable. D'accord. Est-ce qu'elle lit à sa fille? Non, elle fait pas la lecture à sa fille. Lire pour l'enfant. La petite. Voilà. C'est ça que je veux. Viens, ma fille. Je vais te lire une histoire. Je suis tendue, mais je vais quand même te lire une histoire. Je pense que ça peut la détendre, la mère. Comment ça se passe quand tu lis une histoire à ton enfant? Hop là. Oh, c'est sympa. La petite aussi à la fin. Et lui? Ah oui, comment ça, l'enfant aussi? Est-ce qu'il a pêché quelque chose? Ouais, il a pêché des pièces, je crois. Une poupée vaudou, il l'a toujours sur lui. Il a un bar. Pourquoi il a une... Ça, c'est quoi? Des lames de... avec plantes? Ouais, c'est pour ses recherches. Bah voilà. C'est tout. Bon. Il doit faire quoi, lui? Il doit faire... 6 prises fantastiques. Ah ouais, alors ça... C'est tellement aléatoire. Et donc, maman, elle avance son truc de lire pendant 2 heures à son enfant. De toute façon, il peut aller manger, ça en fera un bien. Ouvrir, ouvrir, cuisiner. Ouvrir. Qu'est-ce qu'il peut manger Non, il fait un vrai repas. Manger tacos au poisson, ouais. Elle saute des pages. C'est pas bien de sauter des pages. En tout cas, ça plaît à sa fille. Ça améliorera leur relation. Tout le monde est concentré dans cette maison. Ah, c'est bien d'avoir activé les auras des objets là. Et donc, hop, est-ce qu'elle a lu au moins pendant 1 heure? Ouais, lire pour son enfant. Et elle a très faim et la petite aussi. La petite aussi doit manger et puis elle doit aller aux toilettes. Donc elle va d'abord aller aux toilettes, hop, utiliser. Et elle doit, hop, ouvrir. Il y a sans doute des trucs très sympas à manger. Comme du cake aux fruits. Question, voilà, prendre un morceau. Au moins elle aura... Voilà, hop. Ah bah alors le raisin il est toujours là? J'en ai planté un, quoi. Il est d'humeur joueuse. Oh, il s'envoie des bisous, c'est bien. Est-ce qu'il a encore faim, monsieur? Non, il a plus faim. Est-ce qu'il va pêcher? Je sais pas. Il est tard quand même, hein. Il est minuit. Allez, va dormir. Pour principe, à minuit, on dort. Allez, hop. Elle, ça va être pareil. Elle va avoir besoin d'aller aux toilettes. Après, quand elle aura fini. Elle va utiliser. Ensuite, elle va nettoyer un peu tout. Ah, bah, elle finit pas de manger du coup. Non, pas nettoyer, mange. Manger. C'est quoi ce délire? Pourquoi il y a un truc crade dans la salle de bain? Les toilettes sont sales? Non. Pourquoi elle dit qu'il y a des trucs crades? Environnement déplaisant. Bah, pourquoi? Il y a des flaques d'eau encore. Ah ouais, il y a plein de flaques d'eau partout. J'avais jamais fait gaffe. Bon, elle va nettoyer tout ça avant d'aller se coucher. En tout cas, la petite, elle, une fois qu'elle aura fini, elle ira dormir. Pareil pour le principe de se coucher à des heures presque correctes. Et la maman, elle va tout nettoyer. Allez, on va passer pour une fois, on va accélérer un petit peu. Même si c'est un joli moment de complicité entre la mère et la fille, il n'y a pas à dire. Voilà, on va passer un peu. Vient de devenir une bonne amie d'Elsa, c'est bien. Une bonne relation entre mère et fille, c'est toujours mieux que des relations malsaines. Hop, va dormir ma fille. Maman, elle va nettoyer. Est-ce qu'il y a autre chose à nettoyer dans le quartier? Pas vraiment, je pense pas. Hop.
Non, nettoyer. La seule qui est fatiguée, c'est celle que je ne mets pas à dormir. Hop. Essayer, essuyer un peu tout ce qui traîne là. Je pense qu'on est bon là. Hein. On est pas mal. Ça y est, on a un peu ressaisi le truc. Pourquoi lui, il fait toujours du bruit? Il fait du bruit en dormant. Ah ouais, dis donc, il est bruyant dans son sommeil. Il Froid, a les rêves agités, hein. Ah oui, il a lavé la vaisselle. Hop, faut nettoyer tout ça. Et améliorer, il y a quoi? Ajouter une chasse d'eau supérieure. Pourquoi pas? Améliorer le débit de l'eau. Pourquoi pas? Donc, tout dans la cuisine que je devrais améliorer en fait. Oh, mais elle peut pas. C'est quoi ça? Embaucher un réparateur. Pourquoi? Préparer des pâtisseries. D'accord, je ne sais pas lire. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à savoir, finalement. Voilà, je suis illettré. Vous voyez, la réforme de l'orthographe, ça me touche pas tellement. Bon, je faisais des fautes avant, j'en ferai après. J'en ai toujours fait. Bon, voilà, hein, l'un dans l'autre, ça changera pas grand-chose. Donc, bon, c'est pas tellement grave. J'aime bien la confiante, j'aime bien comme la posture. Bon, après, faudra quand même qu'elle s'occupe du jardin le lendemain parce que là, elle a à peine fini. Hein. Et puis, il faudra qu'elle continue à s'occuper de sa fille parce qu'elle en a besoin. Enfin, la mère a besoin de s'occuper de sa fille, pas la fille. La fille, elle se démerde. Bon, bananier pousse, tout pousse, ça va. Hein. Le bus de Julie dans environ 1 heure. Comment elle se sent? C'est pas la top du méga groove. Hein. Prendre une douche méditative et ouvrir, manger des restes. Il y a quoi? Un cake aux fruits, du pain perdu, prendre une portion, voilà, hop. Et qu'est-ce qui t'arrive? Elle a 6 dessins. Et les 6, si je vends les 6, ça donne quoi? Ça donne. J'arrive pas à lire 15? Non, je veux pas vendre la pizza, c'était comme ça, pour voir. En plus, faut qu'elle aille à l'école concentrée et elle y sera grâce à l'aura active du panneau d'affichage. Donc c'est pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Oh là là, le papa a envie de faire pipi. Et il a faim. Bon. Prends une part de gâteau, mec. Ça me met concentré direct. Hop là. Il bug devant. Dites, je me pose la question, est-ce qu'elle a une. Une apparence. Modifier l'apparence. Non, elle a pas de costume pour se cacher d'être une extraterrestre. Comme c'est une hybride, peut-être, elle a pas besoin. D'ailleurs, elle a pas de pouvoir d'extraterrestre en fait. Elle a juste sa couleur de peau qui est différente. C'est peut-être juste ça en fait. Elle est pas du tout extraterrestre. Bon, la petite, elle s'éclate dans la douche. La maman, tout va plutôt bien. Allez. Le travail d'Olivier commence dans 1 heure. Ouais, faut qu'il aille faire pipi avant. Il est où? Hop, utiliser. Je pense que ça va pas aller avec la petite. Mais bon, au pire, elle va aller manger, hein. En plus, elle doit aller à l'école. Ah bah d'accord, elle va aller à l'école affamée. Oui, il fait pas pipi devant sa fille, c'est bon. Ah, louche, louche. Elle est embarrassée. Oh! Ah mince, comme papa il l'a vu dans la douche, elle est embarrassée. Oh ma bûchette, je suis désolée, je ferai plus. Papa aussi, il est embarrassé. Vision impossible à oublier. Vous avez surpris quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Oh. Partagez. Oh là là, le pauvre. En plus, il doit aller au boulot. Bravo, j'ai tout gagné là.
Douillet, tiens. Ça l'occupera en attendant d'aller au boulot. Ah bah il est redevenu concentré. Mais cette petite, elle a même pas eu le temps. Et la mère? Bon, elle est au bout, à l'école, elle va se faire des amis. En espérant que ça se passe bien pour elle. Et la maman va se réveiller. Et elle va s'occuper de tout son jardin parce qu'il y a vraiment besoin. Donc j'ai rien à parler aux plantes. Ah, elle peut parler aux plantes. Tout récolter, ça fera toujours. Non, non, ne pas accompagner, voilà. Hop, va bosser. Ah bah il est redevenu embarrassé du coup. Et donc maman, elle va hop, tout ramasser, fertiliser, engager un jardinier, faire évoluer. Non mais s'il faut que je les fertilise toutes, je vais mettre juste des jours quoi. Et sans parler de leur parler, hein. Voilà tout ce que j'ai. Je sais même pas ce que c'est le meilleur fertilisant ou quoi. Je fais au pifomètre. Y en a qui sont un peu desséchés, hein. Serapi. Celle-là, Ah. elle a l'air de peiner. Avec une pomme. Parler aux plantes, je sais pas ce que ça fait. De toute façon, la petite est à l'école, alors. D'ailleurs, ça se passe pas super, hein. Il pourrait pas me la nourrir vite fait? Sérieux, elle a affamé. Elle a terminé ses devoirs, elle a deux compétences, mais ça augmente pas parce qu'elle a faim. Peu chier. Vivement la cantine. Et attendez, attendez, je regarde un petit détail. Dans Ah. 12 minutes, on a fini. Est-ce que j'enchaîne avec un autre? Je sais que Homme ne va pas rentrer tout de suite, de toute façon, même s'il est déjà minuit. Il m'a dit 2-3 heures du matin. Je m'attends pas à ce qu'il m'interrompe. Ça lui fait du bien, il voit du monde, il voit ses potes. Il n'y a rien à faire de spécial. Ah, lui, on va le fertiliser, tiens. On va le fertiliser avec des pommes. Je fertilise qu'avec ça, là. Ah, mais en fait, ça fertilise tout. Kiarbalansif, spot Ah, him. mais c'est long de Levitate parler aux horse. plantes. Je préfère lui parler à lui, hein. Parler à la plante, voilà. Voilà, j'ai des jolies plantes. Nurtulquosinex. Finia paphim. Scupa. Fertiliser, faire évoluer. Otanabi. Faire évoluer. Arvani. Boucharp Ah, kumiao. il n'y a pas à faire évoluer. Seneke. Julie a Bulushi. rencontré Lucas à l'école. Lorna Oh, paphim sympa Lucas. scupa. On va voir à quoi ressemble Lucas. Est-ce qu'on va le voir? Mephitae chymagra, Fifi. Oh, Lucas, c'est un grand. grenoï C'est un nain de jardin. phoebe, Les nains de jardin, gorsoy, une nidinis connaissance. Inconnu, bon, griva, ok. Ok. seneke, Donc elle a rencontré Lucas. olympi, C'est bien. Elle est shibini, inspirée, c'est bien. Ça se passe mieux du coup? wounfik Oh, ça shaiva, évolue pas, hein. brugi, C'est long, hein. Yakalau Dunba, Brugi Payoun, Sigluna Payoun, Elle a parlé aux plantes. Lui Falaru, aussi, je peux faire évoluer. Faire Echeloisa, évoluer. Narimo. Hosa, Simbu Sparsa, Hosao. Quambu, Haspa C'est pas mal, ça se passe pas bien, Ganush, ça se passe très très bien. Maintenant, on va hop, regarder ce qui se passe de ce côté-là. Hop. Creuser à la recherche d'un trésor. Là, on va creuser normalement. Hop. Récolter les produits. Chercher une grenouille. Là, on va hop, creuser. Là-bas, il y a des champis.
Récolter les produits. Elsa déterrer une capsule. Moi, ouais. C'est un My Sims, les capsules. Je vois pas. Ouais, il est là. Elsa a trouvé un morceau de calcaire. Waouh, du calcaire, génial. Ça alors. Après, j'ai pas des. Voilà, il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus de cartes, donc. C'est clair. Bientôt, on va pouvoir y aller. Parce qu'elle est bientôt au top du jardinage, donc je j'irai à ce moment-là. On va voir ce qui se passe. Hop, récolter les produits. Tac, tac, tac. Récolter les produits. Tac, tac, tac. Récolter les produits. Tac, tac, tac. Hop. Ah, j'ai trop de trucs en attente. Bon. Allez. Hop, Elsa, du métal. Bon, c'est bien. Creuser. Je vois par où je vais faire le tour. Par les grenouilles. Bon, faut que je regarde où j'en suis. Ben là, tu vois, il y en a déjà. Vous voyez, il y en a déjà deux. On va aller au même prix, hein, de toute façon. Hop. Voilà. Là, on va s'occuper de ça. Ça c'est quoi? Ah, l'Optarium, ouais, d'accord, elle a obtenu ça. Oh, des pommes, j'en ai 34. Je sais plus si je les ai faites. On verra bien. Salut, mais en fait je vais pas venir te parler. Non, 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 et j'oublie que je suis avec vous des fois. Oh, je suis désolée pour les silences. Je récolter les produits. Ouais, je sais pas, je joue. J'ai eu un blanc là, une absence, un pilote automatique qui s'est mis en charge. Ensuite, tu vas rentrer chez toi parce que bah voilà, hein, c'est bon, c'est le moment. T'as tout pris, t'as plein de trucs. Réussite, récolte sauvage, c'est bien. Hein. 50 plantes sauvages à Sims 4. Ah bah là j'ai l'impression que c'est pas buggé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'avant les réussites c'était un peu nawak. Enfin, je trouvais que ça avait pas rapport avec ce que j'avais réellement fait. Là franchement je crois qu'ils ont débuggé en fait. Ouf, ouf, je lag. Ouf, ouf. Ouf, c'est la première fois depuis que je joue Sims 4 que j'ai des lags. Que j'ai des ralentissements. Ou alors que je m'en aperçois peut-être. En même temps là, elle rentre chez elle. Hein, donc... Alors. Ah, la petite est là. Elle va comment? Elle a super faim encore. Va prendre un gâteau plutôt, alors. Pendant que maman s'occupe de voir. Bah, d'aller aux toilettes déjà. Avant tout. Faire pipi comme une championne. Bah ouais. Bah ouais, comme une championne. C'est ça. Alors. Faut qu'elle ouvre le My... Ah bah les deux. Voilà, les deux My Sims. Ah bah il y en a un là. Le petit cuistot, je l'avais pas le petit cuistot. Eh non, je ne l'avais pas le petit cuistot. Ah c'est cool. Ça remplit un peu la chambre de la petite, c'est sympa. Allez, on va le mettre là. Ah il est chouette. Bon, il y en a un encore à ouvrir. Hop. Bah, on est aux toilettes. Là, la petite mange un coup. Après, faut qu'elle fasse ses devoirs. Voilà, elle l'a ouvert, la maman. Hop, elle l'a ouvert et elle a. Ah, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, donc on va le vendre. C'est Buddy, je l'ai déjà.
Voilà. Donc, au revoir, Buddy. Un peu vendu. Ben après, tous les métaux, tout ça, je vais garder. Mais les grenouilles, il faut que je fasse le compte de ce que j'ai. Faut que je vois si j'ai des doubles ou pas. On va les reproduire déjà. On va reproduire deux. Ah ouais, dis donc, les grenouilles, il y en a plus, y en a que deux dehors. Donc, celle-ci, c'est une grenouille aubergine à pois. Et ça, c'est une grenouille aubergine rayée. Hop. Faut reproduire avec une grenouille aubergine à pois. Donc, bah là, il y en a deux. Du coup, donc on va en vendre une. Et c'est des grenouilles qui valent pas beaucoup. En plus, c'est quoi? Une grenouille faillie. Donc, celle-là, j'ai pas. Ça, c'est une grenouille terre. J'avais pas. Une grenouille terre surfeuse. J'avais pas. Une grenouille feuille rayée. J'avais pas. C'est dommage qu'on puisse pas les empiler. J'aurais bien fait une colonne de grenouilles. Une grenouille aubergine à pois. Ça, on a. On vend. Une grenouille aubergine rayée. On a. On vend. Une grenouille léopard. On n'avait pas. Et ouais, il n'y a pas la place. On peut pas la mettre par-dessus. Oh, celui veut bien. Ok. C'est sans doute un bug. J'ai mis toutes les grenouilles l'une sur l'autre. Bon, on va voir ce que ça donne. Les pommes, on va les vendre. Hop, des sous. Les fraises, on va les vendre. On aura bien le temps d'en avoir. La marguerite, on va la vendre. Le muffier, on a 80. On vend. On aura le temps d'en avoir d'autres. Voilà. Hop, on vend aussi. Ouh, ça fait des sous tout ça. Hop là. Hop. Oui, je veux vendre. Allez, il hésite encore. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est l'autorium, je garde. Ah ouais, alors ça, il faut que je regarde ce que c'est comme. Voilà, extraire, extraire et extraire. Et le reste, pour l'instant, je. Les patates, on va les vendre. On en aura d'autres. Voilà, et la prochaine récolte, et les champignons, on va vendre aussi. Prochaine récolte, on met dans le frigo. Comme ça, c'est réglé. On aura des trucs gardés et des trucs pas gardés. Les trois. Alors, ça, c'est un fossile cassé. Bon, bah, on peut le vendre. Je pense que ça vaut rien. Voilà, ça c'est un pis fossilisé. Un pis fossilisé. Et ça c'est un fossile de bras de tyrannosaure ridiculement petit. J'en ai déjà un. Je sais pas où ils sont, mes fossiles, ils doivent être sur le bureau. Ouais, ils sont sur le bureau. Il y en a un là. On a deux là. Et c'est lui le bras, le fossile de bras tyrannosaure. Donc, fossile de bras tyrannosaure, hop, on vend. Et il nous en reste plus qu'un au final. De toute façon, j'ai pas beaucoup de place pour les fossiles, donc ça évite des problèmes. Voilà, hop. Et donc, il nous reste le l'optarium et le voilà. Donc, on va envoyer tout ça chez les scientifiques, envoyer au conseil généalogique et envoyer au généalogique. Ils vont m'en faire de la matière. On va ouvrir, hop, prendre une portion. Jusqu'à la fin. Voilà. La petite n'a plus faim. Ah, elle a un coup de fil. Hé, là. Et moi, Summer. Et là, Summer, veux-tu venir à la fête? Non, je veux pas aller à une fête. J'ai des enfants et tout. J'ai des responsabilités. Attends, petite. D'ailleurs. Ah, bah, va faire ses devoirs d'elle-même. Faire ses devoirs. Bah, parfait. Hop. Dommage, elle est pas avec maman. Mais bon. Tant pis. Maman mange, ça va bien aller. Une fois que les devoirs sont finis, elle pourra lui lire une histoire. C'est quoi ça? Non, bah non, pas maintenant. Mange. Ah, et bah désolé, Simsmi, mais l'épisode est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse.
sur cette scène. Ah oui, elle peut manger pendant qu'elle discute avec sa fille, c'est vrai. Sa fille, elle peut faire des devoirs tout le temps. Bon, sur ce, je vous laisse pour cet épisode. Je vous souhaite de bien vous amuser avec mes Sims, mais aussi avec les vôtres. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Au revoir.